Bonjour à tous, c'est Eutu, j'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite du let's play de Dragon Quest Builder. Donc c'est parti. Alors là on n'avait qu'une seule quête à faire. Une quête de la princesse. Ah, elle me dit où est-ce que je dois accomplir le rituel en gros pour faire ça. Ah non, c'est un... Ah, je croyais que c'était sur la carte. Je croyais qu'il y avait une zone précise, en fait, non. Ça a crafté donc dans la petite salle, la dernière salle qui reste là-haut. D'accord. Hop. Du coup, on va s'installer ça. Parfait. Le château comme ça, il y aura toutes les pièces de finish. Je sais pas s'il y a un deuxième étage qui va être fait par la suite. Je ne pense pas, parce que je pense qu'on arrive bien à la fin du chapitre là. Donc on va découvrir ça ensemble de toute façon. Parfait. Alors, oh non, j'étais pas obligé de casser les murs. Oh, je suis deg. Je sais pas dans quel sens il se place le plan. Je vais le regarder. Ouais, donc s'il se place comme ça. Ça fera des escaliers là. Oh, je suis deg, j'ai tout pété pour de la merde. Depuis le début du chapitre, à chaque fois, c'est comme ça. Et là, visiblement, ça a changé. Oh mince. Tant pis, tant pis. Voilà, ça va aller vite à refaire. De toute façon, ça va plus vite à faire qu'à détruire. Limite. Si je me foire pas, quoi. Comme là. Voilà. On va continuer là. Après, je vais voir. Je pense que l'entrée, je vais la changer. Je vais pas faire une entrée comme ça. Voilà, parfait. Donc, il me demande quoi comme type de bloc? Fondation de château, 13. Ok, donc chaque bloc, ça va être des fondations. Faut que j'en récupère. J'en ai dans le coffre. Donc j'en ai 15, c'est parfait. Hop. Ça, je prends aussi. Alors. Hop. Je crois que je vais devoir faire des colonnes. Mince. Oh lui, il s'est tapé direct dedans. Voilà. Parfait. Alors ensuite, carrelage de temple bleu. Ça, faut que j'en crafte. Je ne sais pas si j'ai les ressources. Donc il me faut 3 escaliers et 4 colonnes.
Ok. Ce carrelage du temple bleu, ça doit être là-dedans. Non. Et non. Alors. On devrait avoir tout là-dedans. Donc les escaliers, il en faut juste. Ça, ça suffira. Colonne. Colonne, il en fallait 4. Ça sera une par une. Parfait. Bah, c'est où que je crafte ce qu'il faut du coup? Ah ok, je pense savoir. Ouais, carrelage du temple bleu. Du coup, il me faut de la teinture magique qui se crafte ici aussi, je crois, non? Non. Ça se crafte là-dedans. Bingo! Alors, j'ai pas regardé combien il en fallait. Et il me manque de la glu. Bon, bah, je vais aller en chercher. Hein. Ça va assez vite, ça devra aller, mais. Juste dormir avant. Final, le lit de la princesse, il n'y a que moi qui s'en sers. J'ai jamais vu dormir dedans une seule fois. Alors, hop. On va chasser un petit peu. Il faudra que j'en tue une dizaine, je pense. Et des bleus. Bon, je tue le orange avec, mais... c'est surtout les bleus dont j'ai besoin. Voilà. Visiblement, il y en a plein dans le coin. C'est parfait. Là, ça va aller assez vite à faire. Et on pourra enfin explorer la dernière map du jeu, celle du boss de fin. Parfait. Là j'en suis à 4. Je crois que c'est 6 qu'il faut, mais je suis pas sûr. Donc, je vais en prendre encore un petit peu au cas où. Oh le con, il m'en a pas donné lui. Voilà, parfait. Il n'y en a pas plus proche. S'il y en a par là-bas. Voilà. Ouais, je vois une shot tout le monde avec l'épée des rois sur cette map. C'est pas mal. Hop, ouais, il y en a un autre là-bas. Bingo. On va monter à 10, hein, comme ça, ce sera bon. Voilà. Parfait. Bah du coup, il y en a un bonus. Voilà. On n'a plus qu'à aller se craft l'hôtel, craft les teintures pour faire le carrelage. Et ensuite, c'est bon. Putain, les teintures, c'était là. Hop. Teinture, parfait, ça ira. Hop. Alors, juste, je fais un petit peu de place avant pour être sûr que ce dont j'ai besoin arrive dans mon inventaire. Bah, je peux pas faire plus de place en fait. Hop. Alors, ça se craft par 10. J'ai peut-être pas besoin finalement d'autant de glu bleu. Donc, l'hôtel sacré. Parfait, parfait. Alors... Du coup, forcément, j'en mets là. Et du coup, j'en ai pas assez. Mais ça, ça ne fait rien. Donc, carrelage, il en faut que 6. Donc, il y en a largement assez. Voilà.
les colonnes. Parfait. Ensuite, il me manque plus qu'un objet qui est l'hôtel, qui a dû partir de l'autre côté. Ah, où est-ce qu'il s'est foutu? Pour retrouver un truc dans le bordel là, c'est pas gagné quoi. À moins que ce... Ouais non, il est pas du tout dans celui-là. Alors, on va faire ça par ordre. Ah, c'est bon, trouvé. Parfait. J'ai galéré un petit peu à le trouver. Et voilà, bingo. Donc, normalement, je récupère le plan avec. Parfait. Fabriqué. Goutte arc-en-ciel avec le cristal. Super, super. Alors, je vais valider la quête auprès de la princesse. Ok, donc j'étais mort et elle m'a ressuscité en fait. Mon pouvoir va disparaître, mais je pourrais continuer à bâtir, qu'elle dit. Ah, racine effrayante! Ah, c'est énorme, ça, c'est pour crafter les potions là qui me permettent de ressusciter. Ok, donc il va y avoir une bataille dans la ville. Moi, faut que je regarde si j'ai ce qu'il faut pour pouvoir me crafter ça. Sinon, au pire, je vais le chercher, parce que ça servira vraiment pour le boss. Celle des envous. Ah, c'est essence d'Hydrasil qu'il faut. Pétale blanc et feuille médicinale. Bah ça, ça va aller vite à faire. Hop là. Je sais pas combien il en faut, mais il y a de quoi faire. Hein. Ça, ça va. Ah, vraiment, le fait de one-shot tout le monde sur la map, c'est assez pratique, en fait. Je prends au pire, ça me servira à crafter des potions, les herbes médicinales. Hop. Alors, bah, faut que je fasse un petit tri dans l'inventaire aussi, ce serait pas mal. Je vais commencer par mettre le plan là-dedans. Hop. Alors. Mince. Les teintures, j'ai pas besoin. Ça, j'ai pas besoin. Tout ça, je garde. Ce que je vais me prendre, c'est ça. J'en avais pas là-dedans aussi? Ouais, non.
Donc je vais me crafter la potion. Je sais pas s'il m'a crafté des trucs, le vieux, en plus. Oula, des dagues divines. Ah, c'est bien ça, il m'en a crafté en masse, eh. C'est parfait. Alors, hop. Échanger, on va le mettre là. Putain, je vais pouvoir me attaquer à distance si besoin lors du boss. C'est vrai que j'avais pas spécialement pensé à ça, mais du coup il m'en a crafté en masse. Alors, essence d'Hydrasil, parfait, je peux en crafter deux. Hop là. Par contre, faut pas que je meure. Ça, il me faut juste de l'argent, je peux même me recrafter. J'ai monté à 90. Si j'en ai 200, c'est parfait déjà. Je pense pas avoir besoin de tout ça. Mais bon, c'est mieux d'en avoir trop que pas assez. Alors. Parfait. Bon. Oui, je voulais crafter des soins aussi. Voilà. Une téléportation. Bah, je vais sauvegarder. Et je vais enchaîner avec la quête, qui est donc une bataille dans le village. Parfait, ben on va s'en occuper alors. Ah, en gros, je meurs si je m'attaque à leur dragon, je perds les forces vitales qu'elle m'a données pour me ressusciter. Bien sûr. Ah, la déesse ne veille plus sur moi. Quel dommage. Qu'est-ce que je voulais voir aussi, moi? Équipement, armure boréale, ouais, faut que je... Ah non, j'ai... Oh, j'avais pas équipé l'armure boréale, c'est pour ça que je résistais pas au feu dans... Parmi les deux dernières vidéos, je ne sais plus dans laquelle. Bon, bref, assez parlé, on y va. Hop. Parfait. Mince, je me suis quand même pris un coup, je pensais que j'avais le temps de le tuer, mais visiblement non. Voilà. Ah, ils enchaînent quand même les chevaliers. Parfait. Alors, qu'est-ce... Ah, il y a un trou dans le mur, les enfoirés. Je les avais même pas vus aller jusqu'à la maison. Jusqu'au château. Oh putain, encore un trou. Aïe, 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 ça va pas le faire, ça. Je le sens mal, tout ça. Ah, il a cassé l'hôtel. Merde. Oh, je recrafte tout ça, c'est la merde. Lui, il est mort. Oh là, un troll maintenant.
Bon, pour le troll, on va pas s'embêter. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Ça va aller assez vite comme ça. Merde, il a fini de tuer les autres. Hop là. Ah, même la bonne sœur, elle attaque, elle est sérieuse. Ah oui, il y a tout le monde qui se lâche là. Bah parfait. Alors, je récupère vite mes canons. Bataille finie. Et il m'a lâché un bout de viande, le troll d'ailleurs. Et encore une graine de vie. Bah, 3 graines de vie, ça va le faire. Hein. Je pourrais me régène à fond. Donc, normalement, il y a 3 batailles. Je fais les 3 batailles et le boss de fin, je ferai sur une autre vidéo. Et oui, je suis prêt. Par contre, j'ai oublié de dormir pour me régène. Donc, je vais bouffer quelques soins, tant pis. Ou sinon, je... Ouais, non, je peux... On peut pas dormir pendant les batailles. Hop. Oh, maintenant, ils peuvent passer partout, c'est horrible. Putain, arrête ça. Ils explosent tout. Ah ouais, d'accord, ils sont 4 d'un coup là. Ah ouais, l'épée des rois en tournoyante, elle fait mal. Ok. Faut que je me soigne un peu par contre. Ah ouais, d'accord. Parfait. Ah, il est où le mage? Il s'est TP derrière moi, l'enfoiré. Ça, c'est fait. Alors, la suite... il reste plus qu'un mage, je crois. Qui a l'air mort, d'ailleurs. Les monstres sont vaincus. Il y en a d'autres qui apparaissent. Putain, il a esquivé, du coup, en attaquant. Voilà. Parfait. Il y a d'autres mages encore qui sont là. Hop là. Là du coup j'ai des lézards en masse. Je sais plus à quoi ça servait. Un petit dragon. Non, prime. Oula. Lui il va faire mal. Ouais, ça va, il a pas tant de vie que ça. Bah, hey, je vais pas m'embêter. Oh, il va où, lui? Voilà. Bon, on va se le faire tranquille, là. Ah, les canons, c'est vraiment au top. J'ai bien fait de les ramasser, parce qu'on peut pas les crafter, du coup. Je pensais pouvoir faire des armes magiques et tout par la suite, mais visiblement, non. Donc, parfait, quoi. Les monstres sont vaincus. Ouais, ce coup-ci, il n'y a plus rien. Parfait. Encore une graine de vie. Ah oui, je vais avoir masse de PV quand même. Il se passe quoi, là? Oula. Bah, visiblement, il n'y a plus de bataille. Par contre, il y a une quête. Peut-être reboucher un peu les trous du château quand même avant de lancer la quête. Je sais pas si je vais avoir le temps de tout faire. Bah, il vient d'où le rocher, lui? Il n'y en a pas dans cette zone normalement. Mais d'où il vient? J'en ai jamais vu encore ici. Alors, qu'est-ce que je peux libérer? Ça. Ça, je le libère en attendant. Faudra que je reconstruise quand même au moins le mur du château.
Voilà. Parfait. Et il me restait par ici aussi à faire. Hop. Ah ouais, mais là j'arriverai pas à aller jusqu'en haut de la porte, je suis pas assez grand, tant pis. Au moins reconstruire cette salle, c'est le minimum. Parfait. Alors, putain, il a... Oui, ils ont pété jusqu'à la porte. Faut que je me prenne tout ça. Porte ici. L'hôtel, il est ici. Parfait. Ah, très bien, j'ai pu le refaire. Alors, bah, je vais sauvegarder, puis je vais enchaîner avec la quête. D'abord, je commence par dormir quand même pour me régène. Au pire, si c'est une quête trop longue, bah, je crois que je vais arrêter la vidéo là, ça va être plus simple. Et parce qu'on est, déjà presque à 30 minutes, on est à 27 minutes et quelques. Donc je vais arrêter la vidéo là, et on va enchaîner dans la prochaine vidéo. Donc je pense qu'il y aura le boss par la suite qui va s'enchaîner après la quête. Donc on verra ça tous ensemble. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de la qualité de la vidéo. N'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu. Donc merci à tous et à très bientôt pour la suite. Salut tout le monde !